dans la joie de te voir. Je suis dans la joie de te voir. Regarde quelqu'un et manifeste lui ton plus beau sourire. Dis-lui, je suis dans la joie de te voir. Je suis dans la joie de te voir, Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour ta merveilleuse présence. Je bénis Dieu pour ta merveilleuse présence. Ta présence est le signe que Dieu a une histoire écrite avec toi. Amen. Parce que nous sommes dans l'assemblée des saints. On aurait pu faire la grâce matinée. Nous tous, on s'est levés, toutes, à différentes heures. C'est le signe que Dieu veut faire quelque chose par toi. Quelqu'un me comprend? C'est le signe que Dieu veut faire quelque chose par toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fraîche fonction. Parle par moi. Ne me laisse pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Non pas ma pensée. Non pas mon intellectualisme. Révèle-moi de ton manteau. Parle par moi. Agis par moi. Fais par moi. Opère des miracles dans l'atmosphère pendant que la parole de Dieu va être jetée. Pendant que je suis en train de parler, il va arriver que peut-être je dise des choses ou je déclare des choses. C'est ce moment-là que je viens de libérer quelque chose dont tu peux t'en accaparer par la foi. Amen. Quelqu'un me comprend? Et ton amen vient, dis à Dieu qu'il en soit ainsi. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Nous allons prendre deux rois, un roi chapitre 2. Un roi chapitre 2. Un roi chapitre 2. Est-ce que... vous pouvez... comment on appelle ça? Amen. Un roi chapitre 2. Donc, quelle est la nouvelle série qu'on a commencé? On a commencé les lois divines. Quelqu'un me comprend? Amen. Je veux, par la sagesse de Dieu, cet enseignement est une sagesse de Dieu. Et j'avais commencé à comprendre cet enseignement depuis l'année dernière. L'année dernière où on avait commencé à, comment on appelle ça? À parler de la puissance de la parole, pour ceux qui se rappellent, je crois même que c'était peut-être en mars, février-mars, on avait un thème, une série qui s'appelait la puissance de la parole. Et j'avais été attiré par Dieu à observer certaines choses dans la Bible et je les gardais dans mes notes jusqu'à une année après. C'est aujourd'hui maintenant, Dieu m'a donné de cuisiner ça l'année dernière, de commencer à mettre un peu la sauce et puis par sa grâce dans cette saison, il me permet de faire tirer ça et de pouvoir nous donner à manger. Quelqu'un me comprend? Amen. Si je pose la question tout de suite, est-ce que tu connais Macron? C'est quoi ta réponse? Oui. Tu le connais? Oui. Ok. C'est normal, tu le connais? Parce que c'est une personnalité publique, donc tu le connais. Si je dis, est-ce que tu connais ta maman? Tu me dis oui. Est-ce que tu connais ta maman comme tu connais Macron? Non. Mais tu m'as répondu, pour les deux personnes, tu m'as dit, tu les connais. Mais tu connais Macron comme étant une personnalité publique et tu connais ta mère comme étant quelqu'un que tu as fréquenté. Tu utilises le même mot connaître, mais tu n'as pas la même profondeur de la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu comme une personnalité publique. Même beaucoup de chrétiens qui connaissent Jésus comme une personnalité que les prédicateurs ont présentée. Mais laisse-moi te dire, il n'y a personne qui connaît Dieu comme une personnalité publique et qui vit pleinement Dieu. C'est-à-dire que nous connaissons tous Macron, mais Macron ne va jamais venir si tu n'as pas eu une connexion avec lui. Si tu n'as pas eu une connexion ou un rapprochement avec lui. C'est juste un exemple. Hein. Mais maintenant, pour ceux qui sont mariés, est-ce que tu connais un ami comme on connaît un homme ou une femme? Est-ce que la connaissance que tu as d'un ami est pareille à la connaissance que tu as avec un homme et une femme? C'est non, n'est-ce pas? Non. Hein? C'est ça, non? C'est pas la même connaissance.
Celui qui est marié à une femme, il connaît des choses de la femme que personne ne connaît. Il y a des choses qui sont sur elle que c'est lui seul qui voit. Donc, c'est trois niveaux de connaissance. La connaissance générale publique. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent qu'à cette connaissance. Mais cette connaissance, elle ne change pas pleinement la vie des gens. Donc, voilà pourquoi ta vie spirituelle est en danger si le Jésus que tu connais se limite uniquement qu'aux informations que tu as entendues de lui. Sa manifestation dans ta vie ne sera pas palpable. Vous me suivez, s'il vous plaît? Regardez moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sa manifestation ne sera pas palpable. Il y a quelque chose de lui qui ne vient pas en toi. Il y a une sorte de proximité qu'il n'aura pas avec toi. Hey, et puis laissez-moi vous dire, il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quelqu'un me trouve le verset, va le lire. Quelqu'un croit que, si nous croyons que c'est Dieu qui va s'approcher de nous pour chercher à nous connaître, il nous connaît déjà par notre nom. Il connaît même le nom de nos cheveux. Mais maintenant, dans cette relation-là, il a défini un principe. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Jacques, le livre, vas-y. Jacques chapitre 4, verset 1. Jacques chapitre 4, oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Amen. Donc, dans le principe de la relation avec Dieu, Dieu est déjà là. Dieu me connaît par mon nom. Il me connaît mieux que moi-même. Mais dans une relation ne se passe pas dans un seul sens. Une relation, c'est dans les deux sens. Il ne peut pas avoir un qui connaît un autre mieux que l'autre et que l'autre ne le connaît pas. C'est qu'il y a un qui ne va pas bénéficier de l'avantage de cette relation. Quelqu'un me comprend? Donc, la foi que nous avons là n'est pas une question de connaître un pasteur. Parce qu'il y a des gens qui se sont limités à connaître les pasteurs. Mais la connaissance qu'ils ont du pasteur, ils ne cherchent pas à connaître le Dieu du pasteur. Ou la connaissance que le pasteur a de Dieu, ils ne veulent pas connaître cette connaissance-là. Celui qui ne cherche pas à connaître Dieu, il y a des fruits de cette relation qu'il n'aura pas dans sa vie. Il y a des fruits de cette relation-là qui ne seront pas manifestes dans la vie de cette personne. Et Dieu a toujours voulu avec nous une relation intime. Donc vous voyez le niveau de la profondeur de cette relation. Dieu, et je l'ai déjà dit, quand dans la Bible, nous sommes quoi pour Dieu? L'image que Dieu nous donne, c'est comme une fiancée, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que c'est l'image que Dieu donne de ce que nous sommes dans la Bible définit le genre de ce que Dieu veut. C'est-à-dire que quand Dieu prend une métaphore pour appeler quelque chose, ce qu'il est en train de dire, c'est de cette même manière se comporte cette chose, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Si Dieu nous a appelé épouse, c'est-à-dire que Dieu est en train de penser dans son esprit que le genre de relation qui nous définit est une relation d'intimité. Dans une relation d'intimité, il n'y a personne qui se met à l'intérieur. Personne. Je mets une parenthèse. Tu ne pourras jamais développer ton intimité avec Dieu à l'église. Ouais. C'est-à-dire que si on se voit dimanche une seule fois dans la semaine, c'est-à-dire que si tu veux développer, imagine une femme qui dit qu'elle aime son mari, c'est le dimanche qu'elle s'habille, c'est le dimanche qu'elle se parfume, c'est le dimanche qu'elle met son rouge à lèvres et c'est le dimanche qu'elle fait à manger pour son mari. C'est le dimanche qu'ils causent ensemble. Et puis 6 jours plus tard, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réponse. Et puis ça revient seulement tous les 7 jours. Elle sort de la chambre. Donc les deux ne bavardent pas ensemble. Les deux ne fréquentent pas ensemble. Qui va aimer ce genre de relation? Dis-moi, est-ce que tu vas aimer, si tu as un mari ou tu as une femme, tu vas aimer une relation où c'est seulement une seule fois vous parlez ensemble? Et quand vous parlez ensemble, c'est uniquement 2h30. C'est-à-dire qu'après ces 2h30 là, ça s'arrête. Ça, c'est pas une relation. Ça, c'est pas une relation. Une relation, c'est tous les jours. L'église vient nous. Dieu permet l'église pour le rassemblement, pour la communion fraternelle. Dieu permet l'église pour nous enseigner à le connaître.
m'utilise pour dire, c'est l'université que j'utilise pour que cela soit un tremplin, pour que finalement tu puisses me connaître. Finalement, tu puisses développer cette relation-là avec moi. Je vous dis, personne ne développe une relation personnelle avec la vie de l'église. Ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que regarde ta semaine. Si dans ta semaine, il n'y a pas eu de proximité avec Dieu, au fait, tu es en danger. Parce que ce n'est pas les 2h30 là qui vont maintenir ta relation avec Dieu. C'est trop peu pour maintenir et garder ta relation avec Dieu. C'est trop peu même pour creuser, approfondir ta relation avec Dieu. Trop peu. On te distribue le pain, mais on te distribue la farine. Tu dois retourner à le pétrir la farine pour savoir ce qui doit en sortir avec cette farine. Une relation entre un homme et une femme, même quand ils sont dans la chambre intime, même les enfants n'y entrent pas dedans. C'est-à-dire que l'intimité, là, ça se vit entre une personne et une autre. Pas avec 4 amis. Pas avec 5 amis. Ça n'existe pas. Ça, on aurait dû nous enseigner ça depuis longtemps. Il y a des bénéfices. C'est quand un homme est intime avec sa femme, c'est là que les bébés sortent, non? N'est-ce pas? Donc, il y a des résultats qui sont des conséquences de l'intimité. Prie! Concentre-toi! Si la femme n'a qu'à se concentrer, le bébé s'en va. Si elle veut qu'elle mette sa main sur son ventre, qu'elle mette sa main sur sa tête, qu'elle fasse ce qu'elle veut faire, le bébé ne sort pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent sortir de nous. Il y a des grâces, il y a des bénédictions. Ils ne sont que les conséquences. Ce n'est pas dire que c'est la cause. C'est la conséquence de la proximité qui crée ça. C'est la conséquence de l'intimité. C'est la conséquence de la rencontre régulière avec Dieu. On est des adultes, hein? Amen. Même les médecins te disent que quand tu veux faire avoir enfant, ils vont te dire, va avec ton épouse régulièrement. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce qui n'est pas régulier ne provoque pas des choses manifestes, visibles, tangibles. Vous me comprenez? Même si je suis avec ma femme et qu'un frère est au milieu, qu'on bavarde à droite, quand je veux vouloir être dans un moment d'intimité, je veux vouloir qu'il s'en aille. Il n'y a personne qui veut d'intimité avec Dieu que qui veut que quelqu'un soit au milieu de lui. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intimité avec une autre personne qu'avec la personne avec laquelle l'intimité doit se faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir qu'en fait, que Dieu ne veut pas que dans vos temps d'intimité, il ne veut pas que quelqu'un s'initie. Si quelqu'un d'autre vient remplacer, Dieu n'est pas content. Si autre chose vient au milieu, Dieu n'est pas content. Même si le pasteur veut entrer dedans, Dieu va dire, c'est pas lui que je veux connaître. Je veux avoir la relation avec mon épouse. Amen. Dis-moi bon amen. Et c'est pour ça que je dis que l'église ne te donne seulement que les outils. L'église ne te donne que seulement les révélations, les connaissances, les bases. Mais c'est toi qui dois utiliser ce que l'Église te donne pour bâtir ta relation avec Dieu. Maintenant, si tu crois que la relation avec Dieu, ça se bâtit, ah, parce que tel est là, donc c'est ça aussi qui te motive. C'est que les gens d'amour que tu n'as pas pour Dieu, tu dois aller demander à Dieu, fais-moi t'aimer. Quelqu'un me comprend? Donc, quand on a compris que c'est connaître Dieu qui devient notre but, connaître Dieu qui devient notre but, et il nous a laissé un merveilleux livre pour nous donner des bases pour savoir, parce que lui nous connaît, mais c'est nous qui ne le connaissons pas assez. Donc il nous a laissé un recueil dans lequel nous pouvons puiser une certaine sagesse pour mieux connaître mon époux. Amen. Pour mieux connaître le Dieu avec qui je suis. Parce que c'est la compréhension qui vient
de la connaissance que j'ai de Dieu qui donne une foi à ma vie. La foi vient de la compréhension de certaines connaissances. Quand tu sais que, si tu sais que ta mère, chaque fois que tu as besoin de manger, quand tu as faim, si tu es de passage près de chez elle, tu sais que si elle est là, elle va faire quelque chose pour que tu manges. Même quand quelqu'un va venir te dire, est-ce que tu es sûr que ta mère va faire manger pour toi? Tu vas dire, je connais ma mère. Je sais que je suis en galère. Je passe chez elle. Je la connais. La connaissance que tu as de d'elle te donne la foi dans quelque chose à son sujet. Amen. Je vais vous comprendre. Ce que tu ne connais pas de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi de ça. Tu ne peux pas avoir la foi de cela. C'est pour ça que la Bible a toujours dit que vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous affranchir. Mais je voudrais juste introduire, je ne suis pas encore en train de mon message. Amen. Donc, je comprends que c'est connaître qui est le plus important. Voilà pourquoi même quand, dans l'Ancien Testament, quand on voulait parler de l'intimité que Adam a eue avec Ève, la manière dont ils ont voilé ça, ils ont dit Adam connut Ève. Parce que connaître, si on a utilisé connaître, c'est que connaître, c'est aussi dans le même sens que l'intimité. Jean, c'est bien comprendre. Les mots qui sont utilisés pour expliquer certaines choses définissent comment ça doit se comporter. Les mots qui sont utilisés pour définir certaines choses révèlent la manière dans laquelle ces mots-là doivent être orientés. Si on a dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il y a une genre de connaissance qu'on n'a que dans l'intimité de quelqu'un. Amen. C'est pour ça que le lieu où tu vas plus prier, ce ne sera pas à l'église. Je t'assure. Le lieu où tu vas le plus prier, ce ne sera pas à l'église. Ce sera dans ta chambre, dans ton salon. Le lieu où tu vas le plus. Ici, là, même quand on lit les versets, on lit ça vite, vite, vite. Le lieu où tu vas rester pendant des heures en train de lire des versets, c'est dans ta chambre. Donc je te rassure, ne crois pas que c'est quand on est en train de faire ici là. C'est ça qui va définir. Tu ne peux pas t'appuyer sur ça là pour maintenir ta relation avec Dieu. Tu vas prendre ça et tu dois maintenant travailler chez toi. Même quand une femme va pour faire des cours de cuisine, ce n'est pas la cuisine que de la formation qu'elle va préparer. C'est à la maison, c'est son mari, tous les jours qu'elle va préparer. Je vous comprenez? Même quand on va t'apprendre des nouvelles compétences, là, c'est un lieu de formation. L'église est un lieu de formation. Mais après, je dois récupérer la formation là pour maintenant exécuter les choses qui m'ont été données pour me permettre d'être proche de mon Seigneur. C'est ça toute notre foi, chercher à le connaître. Il dit la vie éternelle. La vie éternelle. On connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et il a dit dans Jean 17, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il a défini que la vie éternelle, celle qu'on appelle la vie après la mort, c'est une connaissance. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, ton Fils. Déjà même tu es en danger, quand même certains versets de la parole de Dieu ne sont pas dans ta tête. Quand ton époux t'a laissé un recueil et que tu n'es pas amoureux de ce recueil, il y a un degré de connaissance que tu n'as pas de lui. Notre époux est allé en voyage. C'est une parabole, non? Et il dit qu'il revient. Et il dit, fiancé, je laisse mes anges, je laisse mes prédicateurs, je laisse mes serviteurs, mais arrange-toi de te préparer à mon retour. Donc le seul recueil que tu peux avoir comme une photo pour voir ton époux, c'est le miroir de la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Amen, amen. Quand tu veux te rappeler de ton bien-aimé, tu prends les photos. C'est ça quand on veut se rappeler de ce que Dieu a dit. Je reprends sa parole, la parole de mon époux, la parole de mon Seigneur, la parole de mon roi, la parole de mon maître, la parole de mon Dieu, la parole de mon Créateur. Amen. Je me vois comme dans un miroir. C'est pour ça que Jacques dit que celui qui ne met pas en pratique est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et aussitôt oublie qui il est. Donc la parole de Dieu est un miroir.
voir Dieu, de voir Dieu à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Amen. Il n'y a rien qui est plus important quand quelqu'un n'est pas là si ce ne sont ses écrits. Quand, à l'époque où les gens n'avaient pas encore Internet, les gens écrivaient des lettres à leur bien-aimé, c'était ça qu'ils chérissaient. Si à l'époque de Jésus, il y avait, comment dirais-je, Internet, il y aurait eu un site où les permis que cela serait écrit. Mais à l'époque, il n'y avait que seulement quelques supports pour relater des événements, des papyrus. Quelqu'un me comprend? Et c'est, il a permis de laisser un héritage. C'est la Bible même l'appelle le testament. Comment je suis, ça y est à l'intérieur. Comment je pense, ça y est à l'intérieur. Tu veux savoir comment je me comporte. Tu veux connaître mes réactions. Tu veux savoir comment, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Il dit que c'est à l'intérieur. Donc si tu cherches Dieu en dehors de la Bible, je ne sais pas ce que tu cherches. Il faut avoir déjà commencé même à mettre ton nez dedans. Et ça, aucun pasteur ne peut mettre ton nez dedans. Jamais. C'est par amour qu'on met le nez dedans. C'est par amour qu'on plonge dedans. Cette nuit, j'étais là comme ça, 22 heures. Quand j'ai mis le nez dedans, je regarde, il est déjà minuit. J'ai mon corps dedans, je suis en train de réfléchir, je vais sur Internet, je fais des recherches, et il est déjà 2 heures. Je dis, mais pourquoi ça passe vite autant comme ça? Ça, c'est pas amour. C'est pas par ministère. Parce que je le faisais ça quand j'avais même 15 ans. Ce n'est pas une question d'appel. C'est une question de relation. Ce n'est pas une question de ministère. C'est une question de relation. J'accorde l'intérêt à cette relation. Mes premiers formateurs, c'est comme ça qu'on m'a appris. Je me rappelle toujours de cette image. Un des amis était en train de manger en seconde. Il mangeait, je disais qu'à cette période-là, je jeûne. Et pendant qu'ils sont en train de manger, je suis assis, j'ouvre la Bible. J'ai toujours cette image. J'ouvre la Bible, je la vois en train de manger, ça ne me dérange même pas. Ce n'est pas le jeûne des musulmans, mais non, il ne faut pas manger devant moi. Hey, quand tu aimes quelqu'un, Dieu m'en fout de ce qui se passe à côté de moi. On ne m'avait pas forcé. Mais l'amour que j'avais pour Dieu là faisait que je voulais m'abstenir. Parce que notre Dieu là, il ne se rencontre pas dans la chair. Il se rencontre avec des dispositions spirituelles. C'est pour ça que même le jeûne est. En réalité, quelqu'un qui veut plus connaître Dieu, c'est impossible qu'il ne jeûne pas. Dieu n'est pas une chair. Dieu est esprit. Et pour activer, pour être plus conscient de son esprit, c'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour éteindre le mode chair humain et pour activer le mode divin, le mode spirituel. C'est la mauvaise manière de nos prédicateurs, de nous les prédicateurs qui avons cru que le jeûne est utilisé pour chasser les démons. Va voir dans la Bible, chaque fois qu'il a fait 40 jours, va voir si c'était pour chasser un démon. Va voir si c'était pour chasser un démon. Va voir si c'était pour aller prier pour dire que je vais prier pour emmener, comment on appelle ça? C'était pour rencontrer. Il a dit à Moïse, monte ici et reste là. C'est la nuée qui a environné Moïse et Moïse est resté là-bas pendant 40 jours. Nous on appelle ça jeûne, mais en fait c'était pas un jeûne, c'était une intimité qui fait que Moïse ne pouvait pas aller ailleurs. Vérité, vérité. Moïse ne pouvait pas aller ailleurs. Sois béni. C'est nous qui avons appelé ça jeûne. Ce n'est que la conséquence quand tu es proche de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, tu n'as pas l'habitude du jeûne, tu as l'attitude même du jeûne. L'attitude. Tu vois que même. Parce qu'il y a autre chose qui est dans ton désir. Est-ce que tu peux lire qu'on avait fait Exode de gloire? Marie Madeleine, quand elle est venue voir le maître et le maître n'était pas là. Elle a commencé à pleurer. Ils sont levés, mon maître. Bien aimé, la foi chrétienne, c'est un amour envers Dieu. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. C'est dans la relation d'amour fort qu'il y a des enfants qui sortent. Qu'il y a des projets qui sortent. Donc, tous en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, il faut chercher à être intime de la personne. Tu vas voir que ce qui est la conséquence n'a pas sorti. Et quelle est cette femme qui va
sur les places publiques. Au nom de Jésus, que l'enfant sorte et rentre dans un. Que l'enfant sorte, mais lui-même qui donne la semence de l'enfant, là, il l'attend dans la chambre. Elle fait tout. Elle se sent en contact avec tous les grands. Mais le plus grand était dans sa chambre, elle a oublié. J'ai pas l'habitude de lire Cantique. Je pense que dans ma vie, mais j'ai Cantique des Cantiques, j'ai rarement lu. Et un jour, je suis tombé sur Cantique des Cantiques. Le seul verset que je lis, j'ai dit waouh. Amen. Est-ce que je peux te partager ça? Souvent, quand tu es avec quelqu'un, tu aimes Dieu, la souvent, tu sais, qu'est-ce que tu peux me partager un peu de lui? Oui, un peu. Il est comment? Qu'est-ce que tu as découvert de lui? C'est ça qui doit être le partage des chrétiens. Vous me comprenez? C'est-à-dire, apprends-moi un peu plus de mon époux. Apprends-moi un peu plus. Je ne sais pas me comprendre. Est-ce que tu sens cette présence à Kalabashaya? Est-ce que tu veux qu'on s'en prie? Seigneur, juste quelques minutes. Seigneur, donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer. Que je ne perde pas de vue le but de la foi chrétienne. Ah! Je ne perds pas de but. 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 Donne-moi de t'aimer. Si je l'aime là, je vais aimer son œuvre. Je vais aimer son service. Je vais aimer travailler pour lui. Je vais aimer. Quelle est cette femme qui n'est pas soumise à son mari? C'est une femme qui n'est pas agréable à son époux. Mais une femme qui aime son mari, elle dit mon Seigneur. Elle le sait. Elle est disponible. Elle est souriante. Elle l'aime. Parce que lui aussi s'est sacrifié pour elle. Lui aussi s'est donné pour elle. Lui aussi l'a payé le prix. Il dit que les murailles ne prévaudront point contre elle. Je verse mon sang. Avant de m'atteindre, vous allez d'abord m'atteindre. Avant de la toucher, c'est moi qu'on va toucher. C'est moi qui vais porter la responsabilité. C'est moi qui vais la... Il dit qu'il a lavé avec de l'eau pure. C'est lui qui a lavé son épouse avec son sang. C'est lui qui l'a purifié. C'est lui qui l'a glorifié. Jésus, merci. Donc la manière dont nous devons lui être redevables, c'est de lui être soumis. 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 Avec un si grand prix, comment je peux déshonorer un si grand prix? Un si grand prix que tu as payé. Un si grand prix que tu as fait pour moi. Je ne t'ai rien. Je t'ai dans la boue. Je t'ai malheureux. Je t'ai rejeté. On m'avait laissé. Personne ne croyait en moi. On m'avait mis à l'écart. Mais tu es venu me relever. Tu es venu me tirer. Tu es venu me rincer avec de l'eau de ta parole. Tu m'as dit, si les autres te condamnent, moi je ne te condamne pas. Tu m'as dit, va et ne pêche plus. Tu m'as dit, je t'aime. Tu m'as dit, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Tu m'as dit, petit enfant. Hey! Comment ne pas lui être redevable? Comment ne pas laver ma robe? Comment ne pas l'attendre? Comment ne pas l'attendre? Même quand les gens vont me dire, ton époux est en train de t'aller, tu dis non, je l'aime. Je l'aime pas pour seulement parce qu'il est là. Je l'aime aussi dans la fidélité, même lors de son absence. Lors même de son absence. Et puis c'est là que je tombe sur le cantique du chapitre 3. Elle dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et quand je lisais ça, Dieu me disait, c'est ce que je veux, que mon épouse soit. Que mon épouse soit sur ma couche. Il n'a pas dit seulement à l'église, sur ma couche, là où je dors, là où je mets mon oreiller, là où j'ai l'habitude de me reposer. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je n'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Et c'est là que tu cherches qui connaît mieux mon Dieu. Quelle est l'église où on parle de lui? Quelle est l'assemblée où on le révèle? Quelle est l'assemblée où il y a quelqu'un qui le connaît mieux, qui peut m'apprendre plus au sujet de mon époux? Elle dit, je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime, je le chercherai, celui que mon cœur aime. Ah, je l'ai cherché et je n'ai point trouvé. Les gars qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Elle a demandé, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Ça, c'est une expérience dans la prière. C'est une expérience. Quand tu croises Gabriel, tu dis que oui, Gabriel, tu m'as apparu. Mais ce n'est pas toi que je veux voir. Où il est? Parle-moi un peu de papa. Vous savez, même quand on prêche, même les anges, les anges ne voient qu'une lumière. Les anges ne l'ont jamais vu. Le seul moment où ils se sont rendus compte que c'était lui, c'était quand ils ont vu Christ. Ils ont dit, hey, papa est venu. Lui qui habite une lumière inaccessible.
chez lui. Les anges n'avaient jamais vu le Père, si ce n'est dans le Fils. Ils ont dit, waouh, quel amour, quelle passion pour l'être humain. Papa, pourquoi venir dans ce corps de chair? Papa, pourquoi te ridiculiser autant? Ils ont voulu dire, non, vous ne savez pas. Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Il n'est que le concepteur qui connaît sa création. Ils ont essayé par Adam, ça n'a rien donné. Noé a essayé et après il s'est enivré. Abraham a essayé et après il est passé sur la gare. Et Jacob a essayé, mais il a dû usurper jusqu'à ce qu'on change son nom. Ah, ils sont passés par plusieurs. Même Joseph a été élevé, mais après il a préféré confier ses enfants à Jacob parce qu'il savait qu'il était dans un système qui ne pouvait pas continuer, un système pharaonique. Moïse a essayé, mais au dernier moment s'est énervé. Il n'a pas pu entrer à Canaan. Il dit, moi-même ça suffit, moi-même je descendrai, moi-même je viendrai, moi-même je vais m'incorporer dans un corps humain. Je vais laisser ma dimension de Dieu, je vais laisser ma dimension. Ah, quelqu'un me dit, mais prends un bon amen. Je vais laisser ma dimension de Dieu. Je suis en train de parler de celui que ton cœur doit aimer. Tu vois, tu es tellement fort que ce que je suis en train de juste dire là, ce n'est aucunement dans mes notes. C'est comme si ça vient tout d'un coup. Parce qu'en fait, c'est comme la prophétie que Dieu veut nous partager dans nos vies. Apprenons à chercher l'éternel. Comme dit Osée, cherchons. Cherchons à connaître l'éternel. Revenons au fondamental. Revenons à zéro. C'est-à-dire que laisse tout ce que peut-être tu as appris qui t'a détourné, perdu et embrouillé. Le seul but, c'est de le connaître. Si tu le connais, sa connaissance déteint sur toi. Sa connaissance réjaillit sur toi. Tu vas porter son nom. Il va te mettre un diadème. Il va te glorifier. Quel est l'époux qui ne prend pas plaisir à la gloire de son épouse? Quel est l'époux qui ne souhaite pas que son épouse soit honorée? Quel est l'époux qui ne veut pas parer son épouse de vêtements dorés? Amen. De vêtements de joie? De vêtements de fête? Pour que quand tout le monde la voit, ils disent, c'est mon épouse. C'est ma gloire. C'est ma gloire. La gloire de Dieu, c'est son épouse. Donc une fois que tu as compris que le but, c'est de le connaître. Et c'est là qu'on entre maintenant dans l'enseignement. Je peux dire que j'ai fini avec la prophétie. Où je t'ai parlé de la part de Dieu. Et maintenant, je veux te donner une éducation. L'instruction. Donc, on comprend que la Bible regorge de beaucoup d'éléments. Regorge de beaucoup d'éléments, n'est-ce pas? Et on avait dit la première fois que, on avait dit qu'une des premières choses qu'on trouve dans la Bible, quand tu ouvres la Bible, tu peux découvrir les lois de Dieu. C'est l'une des premières choses qui peut être à l'intérieur. Dans le recueil qui comprend les choses de notre Seigneur, tout n'est pas la même chose. Donc, premièrement, on a dit les lois de Dieu. Et on a dit que les lois de Dieu sont des règles, sont des principes. Les lois de Dieu sont établies et sont rigides. Et dans les lois de Dieu, je pousse encore, dans les lois de Dieu, il y a deux catégories. Il y a les lois de la terre et il y a les lois du ciel. En deux termes, les lois terrestres et les lois spirituelles. Par exemple, une loi terrestre dans la Bible dit quoi? Une loi terrestre par rapport à un domaine, la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est une loi terrestre. On trouve beaucoup de lois terrestres de la vie humaine dans Proverbes. Par exemple, je trouve un peu délicat. Proverbes donne beaucoup de principes établis par Dieu,
mais pour les choses de la terre. C'est dans le Proverbe par exemple que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Ce Dieu, Dieu dit, il y a une règle sur lui, une règle de fonctionnement par rapport à la richesse. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Dans le même livre de Proverbe, on dit que celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel. C'est une loi encore. Dans le même livre, on dit que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. On ne prie pas pour l'abondance seulement. Le verset dit que les projets de l'homme diligent, c'est ça qui va mener cette personne à l'abondance. Donc quand ta connaissance n'est qu'une connaissance du Seigneur, c'est de l'abondance, j'appelle l'abondance, je prie l'abondance, ça tu es en train de faire une loi spirituelle parce que tu es en train de prier. Vous me comprenez? Maintenant, tu dois composer avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quelqu'un me comprend? Là, j'enseigne vraiment la sagesse de Dieu. Hein. C'est-à-dire que cette mauvaise compréhension-là peut faire que quelqu'un peut perdre beaucoup de temps dans sa vie chrétienne. Donc, quand tu es en train de prier, par exemple, tu es en train de manifester une loi spirituelle de prendre les choses qui sont dans le ciel et de vouloir les emmener. C'est une bonne chose parce que la prière est une loi spirituelle. Mais la Bible dit que les projets de l'homme diligent amènent à l'abondance. Donc, si quelqu'un est en train de prier seulement et n'est pas diligent dans ses projets, l'abondance ne vient pas. La Bible dit que si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, c'est un homme qui va comparaître devant les grands. L'habilité et l'excellence. Donc si tu vois quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait, la Bible est en train de dire, cet homme-là va comparaître devant les grands. Donc quand tu pries seulement, Seigneur la grandeur, Seigneur la grandeur, je prie au nom de Jésus, tu verses l'huile sur ta tête, la grandeur va venir, mais la grandeur doit rencontrer une autre loi de la terre. L'habileté dans ce que je fais. C'est-à-dire que l'excellence dans ce que je fais. Tu vois, vous voyez, en quelques secondes, je vais te donner des lois, des principes. Les lois sont des principes. Vous me comprenez? Je veux dire une chose. Souvent, on appelle loi tout ce qu'on retrouve comme règle de Dieu. Mais quand je spécifie loi, je ne parle pas de la loi de Dieu de manière générale, où on retrouve tout ce qu'on va avoir comme commandement. Même les commandements sont des lois de Dieu. Mais particulièrement, c'est que les commandements sont des ordres. Voilà la différence. La loi dont je parle là, c'est un principe. On a déjà eu le verset, je n'ai pas besoin de le donner, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de références où, tu vois, David dit, ta loi, et il y a un chemin qui dit, et ta loi dans mon cœur. C'est tout ça, c'est ça. Tes lois, tes principes. Donc, les lois sont des principes établis. Elles sont des principes établis pour chaque secteur qui régit le monde entier, qui régit l'univers. C'est-à-dire que pour le mariage, il y a une loi. Il y a des règles de fonctionnement. C'est pour ça que vous voyez que les païens ne sont pas chrétiens, mais ils connaissent pas Dieu, mais ils peuvent réussir un mariage. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des règles du fonctionnement du mariage. De sorte que celui qui les respecte n'a pas besoin de lui. C'est pour ça que quelqu'un comprend, mais il ne prie pas, il ne fait pas la même chose que nous. C'est parce qu'il respecte des règles dans le domaine. Les lois sont tellement fortes que elles donnent du fruit à celui qui y obéit. Les lois ne dépendent pas forcément d'une relation avec Dieu. Les lois sont des règles universelles. C'est comme la fois passée, dimanche, on a parlé de la pesanteur. Qu'est-ce que la pesanteur là? Que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, ça s'applique à tout le monde. Tu pries, tu ne pries pas, cette règle-là s'applique à toi. Donc les règles sont irrévocables. Elles ne cherchent pas à savoir si celui qui est en face de moi qui l'applique, il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Elles, les règles sont établies par Dieu de manière rigide dans un domaine établi. Par exemple, beaucoup de gens qui sont très riches pratiquent beaucoup plus l'habileté et la diligence dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont riches. C'est une loi. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour faire ça. C'est un principe que tu as établi, la loi du travail. Vous me comprenez un peu? C'est un principe. Donc, comme il respecte ce principe-là, s'il veut, il ne parlera jamais de Jésus dans sa bouche. Mais comme il applique cette règle-là, il vit les fruits de cette règle. Par rapport aussi au salut, il y a une règle. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu ne crois pas, tu ne seras condamné. C'est écrit dans la Bible. Celui qui croira au Seigneur Jésus et qui se baptisera sera quoi? Sauvé. Mais le même verset de Marc 16 dit, celui qui ne croira pas, le verset dit directement, condamné. La Bible n'est pas en train de blaguer. Donc, pour être sauvé, il y a aussi une règle. Vous me comprenez? Dans le salut, il y a une règle. Pour le pardon du péché, il y a une règle. Pour le travail, il y a des lois. Pour le mariage, il y a des lois. Pour la santé même, il y a des
loi. C'est-à-dire que si tu désobéis à des règles que Dieu a établies pour la santé du fonctionnement de ton organisme, tu vas subir des choses. Tu vas dire que mais pourquoi ça m'arrive? Tu vas le suivre comme si tu n'as pas de foi. Le foie fonctionne avec un principe que si tu brises ce principe-là, ton foie va être endommagé. Ça ne dépend pas si tu es chrétien. C'est juste la folie. Non, tu peux voir des gens. Un jour, un pasteur venu, je vais donner des manants. Un pasteur venu voir un monsieur qui avait 45 ans avec une grosse bouteille, il fait pas de soda. Le pasteur a dépassé comme ça. Il dit à ton collaborateur, il risque de mourir si continue comme ça. Vous savez ce qui est passé? Des années plus tard, il est mort. On dit que c'est les gens disent la sorcellerie. Ils disent la sorcellerie. Il dit, quand je l'ai vu à son âge, 45 ans, avec une grosse bouteille de soda, tu te tues. Ton âge n'est. Même à un certain âge, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. C'est des règles. À 30 ans, une femme n'a pas la même manière de briller comme une femme qui a 50 ans. Oui, c'est une règle. C'est les règles même de son corps. Je sais pas, vous comprenez. Pour tout, il y a des règles. Donc, quand tu prends la Bible, quand tu veux être intelligent, quelle est la règle dans le domaine? Tu peux ouvrir la Bible pour dire, Seigneur, je cherche une règle par rapport à tel domaine. Est-ce que tu peux m'instruire? C'est quoi la règle de fonctionnement par rapport à ça? Même par rapport aux relations, il y a des règles qui définissent la relation. Dans Proverbe dit, si tu es toujours chez ton ami, il va commencer à te manquer de respect. Parce que tous les jours, il te voit. Tu es chez lui. Finalement, il va te manquer de respect. C'est une règle de relation. Il ne faut pas être dans les narines de quelqu'un tout le temps. Il faut laisser un peu aussi d'équilibre. Je te donne une lucarne. Beaucoup de règles de fonctionnement, les relations, le travail, les ressources sont beaucoup inscrites dans les règles terrestres sont dans Proverbe. Et beaucoup de règles spirituelles sont dans les psaumes. Vous me comprenez? Est-ce que je pousse encore? Amen. Et on a parlé de la deuxième chose. On a dit que la deuxième chose qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, est-ce que ça va pour les lois? Amen. Fonctionnement rigide, établi dans un domaine qui s'impose à tout le monde. Vous me comprenez? Amen. Et la deuxième chose, on a dit que les commandements. Les commandements sont des lois. Mais la particularité des commandements, c'est que les commandements sont des ordres impératifs. Vous avez dit que dimanche dernier que souvent, quand je me recrutais, j'ai dit, la plupart de toutes les lois ont un service marketing. Ce n'est pas forcément toutes les lois. Donc je corrige. Il y a des lois, Dieu n'a pas besoin de te dire que ce qui va arriver après ça. Mais c'est des lois. Vous me comprenez? Donc la deuxième chose, c'est que c'est les commandements. Les commandements sont des ordres impératifs. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est un ordre. C'est-à-dire que ça, Dieu n'est pas en train de jouer. Et la plupart des commandements peuvent remettre ton salut en question. Amen. Amen. La plupart des commandements sont beaucoup rattachés à la piété et à la bonne moralité. Au fonctionnement moral et de piété. Les commandements sont impératifs. Tu vas voir qu'on va dire prier sans cesse. On n'est pas en train de te chercher à te dire, hey, si tu veux comprendre ce que ça veut dire, ou comprendre ce que ça veut dire, c'est un ordre. Prier sans cesse. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Juste aujourd'hui, tu fais quand on le nom devant, tu vas prier. Hein? C'est un ordre. Même si tu n'aimes pas, tu vas devoir faire ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre. C'est le deuxième commandement qui suit le premier. Un commandement qui n'est pas obéi est un péché. Une loi qui n'est pas obéie peut ne pas être forcément un péché. Par exemple, celui qui n'est pas habile dans ce qu'il fait. Il ne fait pas bien. Mais ce n'est pas pourtant qu'il pêche avec Dieu. C'est juste que dans ce domaine, il ne va pas être promu auprès des rois. Il néglige son travail. Il néglige ses talents. Il néglige ses œuvres. Donc demain, les grands ne vont pas l'appeler. Même aujourd'hui, là, quand on veut appeler des artistes de renommée, là, on connaît qui est habile, on sait qui n'est pas habile, on sait qui peut faire, qui ne peut pas faire. Quand tu cherches des experts dans un domaine, là, l'État sait qu'ils doivent appeler. Je sais pas si vous me comprenez. La plupart des lois, quand elles sont désobéies, ne sont pas forcément des péchés. Mais quand c'est un commandement, c'est obligatoirement un péché. Tu ne commettras pas d'adultère. C'est une loi. Mais celle-là, c'est un péché si quelqu'un le fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne voleras point. C'est un commandement d'ordre moral. Il n'est même pas en train de te dire, tu sais, j'ai t'expliqué le mystère derrière le vol. Les commandements, tu n'en as pas besoin de révélation.
n'y a pas de remarque dans le commandement. Dieu n'a pas besoin. Les commandements sont clairs dans la Bible. Si tu veux une idée pour savoir comment trouver les commandements sont clairs et ils sont souvent à d'ordre impératif. Ils ne sont pas des conseils, c'est établi. Tu ne tueras point. Point. Bah. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas si tu aimes. Si tu veux suivre à Dieu, Dieu dit tu ne tueras point. Ça ne changera pas pour quelqu'un que ce soit. Je sais pas si vous me comprenez. Amen. Les lois souvent sont un peu cachées dans la Bible. Mais tu vas souvent les voir. Parce qu'elles sont établies. Et souvent on peut te dire, si tu fais ça, tu auras ça. Comme je disais la fois dernière, honore ton père et ta mère, car tu prolongeras les jours de ta vie. Il vient de te dire déjà, tu veux vite mourir, il faut faire le contraire. Oui. Tu veux mourir jeune. Oui. Tu veux mourir jeune. Déshonore les gens que tu as mis au-dessus de toi. Il n'a pas dit que honore ton père et ta mère quand ils sont gentils avec toi. Quand on parle de père et ta mère, c'est tout spirituel, professionnel. Tous ceux qui sont les pères établis dans ta vie. Les autorités établies. Si tu les déshonores, il y a une grâce qui te quitte. Même quand ils sont cruels avec toi, la Bible dit honore-les. Oui. Même s'il n'a pas été gentil, la Bible dit honore-les. Il n'a pas dit que quand tu sens qu'il est bien avec toi, quand tu sens qu'il va dans ton sens, quand tu sens qu'il t'aime, hey, c'est toi qui vas subir la loi, c'est pas lui. Amen. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que je peux pousser encore? Je peux pousser? Amen. On va lire 1 roi 2. Je vais terminer cette partie. Ça, ce n'est que l'introduction de notre message. Ce n'est pas encore le message. Parce que ça va mettre un soubassement dans tout ce qui va venir après. 1 roi chapitre 2. Je lis rapidement pour gagner du temps. Amen. Amen. 1 roi chapitre 2. David approchait du moment de sa mort. Du moment de sa mort. Quelqu'un suit? Est-ce que tu suis? Amen. 2 rois chapitre. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant. En disant quoi? Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Qu'est-ce qu'il dit encore verset 3? C'est la partie maintenant qui va nous intéresser. Écoutez très bien le verset 3. C'est-à-dire que David est vieux, il doit partir. Regardez les conseils qu'il donne à son fils. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses, en gardant ses lois, ses ordres. Ses jugements et ses préceptes. Je m'arrête là. Au fait, dans ce verset, on veut trouver beaucoup de choses citées par David, mais qui ne se ressemblent pas. Ça paraît se ressembler, mais ils ne sont pas les mêmes. La Bible ne fait pas de tautologie. À 4 répétitions, il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de dire la même chose. Amen. Je vous dis ce que la bonne version dit. Amen. Je me suis rendu compte même. Quand je lis la 8 secondes, il y a des interprétations là qui ne me plaisent pas, qui ne me plaisent pas par rapport au sens hébraïque qui est dit. Pour vous donner un aperçu, si vous trouvez une bonne version de la Bible, vous êtes sûr de ne pas être en train de forcément chercher le sens hébreu ou grec de ce mot. C'est la King James française. C'est la King James française. En tout cas, avec recul, je me suis rendu compte que c'est la meilleure version. Quand je prends à chaque fois littéralement le sens hébreu, c'est la même manière. Vous allez voir dans la King James française comment on a traduit. Verset 3, dans notre version, le second, on dit observe les commandements, non? C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Bible, s'il se base seulement sur le mot français et puis veut vouloir étudier avec ça, ah, mais tu es foutu, tu es rentré, comme on dit les Ivoiriens, tu es rentré en brousse. Ça t'a perdu il y a longtemps. Tu as venu dire ici, là. Vous voyez, on dit observe les commandements dans la 8 secondes, non? Tu as me dit, ah, pasteur, c'est les commandements dont tu as parlé. Dans la version qui est dit, c'est pas commandement. Il n'est même pas contraint de parler. Il dit, dans la King James française, il dit, et garde la charge du Seigneur. Vous voyez, c'est différent. Garde la charge. Ce que ici, ils ont appelé commandement, c'est pour dire, en fait, c'est tout l'ensemble de ce que je vais te confier. Vous me comprenez un peu? C'est ça que celui qui a traduit a estimé ça que c'est commandement. Mais dans le mot
qui est dit en hébreu là, c'est pas commandement. En hébreu là, commandement, ce n'est pas ici que c'est placé. Vous voyez. Commandement en hébreu, c'est Torah. Pardon, c'est mitzvah. Amen. Et ici, ils n'ont pas utilisé mitzvah. Donc nous tous les hébreux, ils savent que quand on parle de commandement, c'est mitzvah qu'on dit. Donc ici, il ne parlait pas de commandement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Vous me comprenez? Ici, il veut parler de tout le recueil. Amen. Il dit, garde la chasse du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses voies. Dans ses voies. Ou souvent, c'est dit chemin. Troisième chose que tu vas trouver dans la Bible, ce sont les voies de Dieu. À Israël, il a révélé ses œuvres. À Moïse, il a révélé ses voies. Vous me comprenez? Troisième chose que tu peux retrouver dans la Bible, ce sont ces voies. Je vais t'expliquer c'est quoi les voies. Tu veux que je t'explique? Amen. Mais dimanche prochain. Amen. Hein? Presse. Amen. Qui parle de voies parle de chemin. Qui parle de voies parle de la route qu'il faut prendre. La bonne définition de voie, c'est la manière de faire. Je vais vous donner un exemple. Pour connaître les voies de Dieu, c'est comment tu fais ça. Comment doit-on prier? La manière dont il a dit de prier là, c'est une voie de Dieu. Donc c'est-à-dire que si toi tu connais le principe, la prière, et que tu n'as pas été enseigné sur les voies de Dieu concernant la prière, tu peux prier mal. Les disciples, quand ils ont dit « apprends-nous comment prier », ils étaient en train de dire « révèle-nous la manière » dans laquelle on doit faire ça. Dieu a une manière de faire ce qu'il fait. Bien aimé, quand j'ai commencé à découvrir ça, ma manière de voir la Bible a changé. Dieu a une manière de faire certaines choses. Tu dois les étudier. Tu peux regarder dans la Bible et chercher comment Dieu fait. Pour telle chose, comment il fait. Parce que c'est notre époux, c'est notre Seigneur. Il a une manière de faire. Il y a... Est-ce que tu n'as pas une manière de manger certains plats? Ah, c'est Dieu qui n'a pas de manière. En tant que venu, quand on lui donne tout. Tu viens, j'essaie seulement de prier. Même pour prier, il a donné la manière. Il a donné la manière. Les voies, tu peux dire, les voies, ce sont les manières de Dieu. La manière de faire. Tu peux connaître quelque chose de Dieu, mais tu ne sais pas comment il veut que tu fasses. Quand Josué s'est trouvé devant la muraille de Jéricho, la manière de faire, c'était de faire quoi? Faites 7 tours pendant 7 jours. C'était ça la manière. C'était une voie de Dieu. C'était le chemin qu'il devait emprunter. Même Christ est une manière de Dieu de sauver l'humanité. C'est pour ça que Jésus-Christ est le chemin. Il est la voie qui donne accès au salut. Dieu a voulu sauver l'humanité par Christ, par la méthode de Christ. Non, si quelqu'un dit que non, je vais trouver ma manière à moi pour être sauvé. Non, tu as défini la manière par laquelle on est sauvé. Quelle est la manière quand tu veux emmener quelqu'un au Seigneur? Quelle est la manière? Il y a une manière, non? Il y a une manière pour être sauvé, n'est-ce pas? C'est quoi? Celui qui croit dans son cœur et qui dit de sa bouche. C'est la manière. Celui qui croit et qui sera... Celui qui croit et qui sera... baptisé. C'est la manière. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc Dieu a établi, même par rapport au salut, la manière dont ça doit se faire. Donc quand tu lis ça, celui qui croit et qui sera baptisé, tu viens de comprendre que j'ouvre tes yeux. Ah, c'est la manière de faire pour être sauvé. Donc sauvé, là, voici la manière. Il faut que je croie, un, il faut que je me baptise, deux. Et c'est là que c'est égal à sauver. Je viens de comprendre la manière. Tu viens de me comprendre? Amen. Dans la Bible, Dieu, il y a beaucoup de manières pour telle chose. Quand tu lis dans Proverbe, Dieu peut te donner, dans Proverbe, Salomon dit une manière de calmer la fureur. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est énervé, non? Tu ne peux pas venir seulement dire, hey, je te demande pardon, mon chien, ceci. Il y a une manière. La Bible dit que les présents calment la fureur. La Bible vient de te révéler une manière. Ça, si tu ne lis pas la Bible avec les yeux de la manière, tu ne vas pas faire attention à des manières. Il y a des manières, des manières. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tu comprends les manières? Amen. Tu peux décider d'ouvrir la Bible et tu veux voir comment Dieu fait pour ça.
comment faire, et tu étudies comment. Et le bon mot pour manier, c'est derek. Derek en hébreu. Quand vous jeûnez, il donne la manière de quand vous jeûnez. Quand vous priez, il donne la manière de qu'est-ce qu'il faut faire quand on prie. Ce n'est pas simplement des trucs que je connais, mais est-ce que je sais le protocole? Quand je jeûne, qu'est-ce que Dieu dit de faire? C'est comment ça doit se faire. Si je ne fais pas comme Dieu veut que ça se fasse, quand tu lis Isaïe chapitre 58, Dieu dit, voici le vrai jeûne que j'aime. Dieu a révélé dedans une manière de pratiquer le vrai jeûne. Donc quand quelqu'un veut s'asseoir et puis il veut jeûner, il doit étudier comment on fait ça. Dans la Bible, comment Dieu, ça lui plaît, le jeûne. Quelle est la prière qui lui plaît? Comment on se comporte avec des autorités? Comment on se comporte avec un ami? Comment on se comporte dans une relation? Il y a des manières de Dieu qui sont cachées dans la Bible. Et les manières de Dieu sont cachées. Tu vois là? C'est parce que je vous ouvre ton esprit qui te dit, ah d'accord. Tu peux lire ça, tu peux ne même pas savoir que ce sont les manières de Dieu. Quatrième chose, et puis je pense, il y en a jusqu'à six, et je vais m'arrêter. Quatrième chose, il a dit, on est toujours dans le texte du conseil de David à son fils, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que David révèle plus la dimension du père et Salomon la dimension du fils? C'est pour ça que Salomon a beaucoup plus parlé des choses qui vont fonctionner sur la terre et David a beaucoup plus révélé les choses qui vont fonctionner dans le spirituel. David a beaucoup plus révélé le cœur du père. Amen. Il dit, après les voix, il dit en gardant quoi? Ses lois. En gardant quoi? Ses lois. En gardant c'est quoi? Ses lois. Ah, je vous appelle ses lois. Il dit en gardant ça, ses statuts, en gardant ses commandements, ses jugements et ses témoignages. Amen. La quatrième chose que je vais vous parler, c'est les témoignages. Je vais revenir sur les autres choses. Je vais venir après sur les statuts. Mais je veux terminer avec ça. Amen. Tu vas retrouver par exemple aussi dans Psaume 119. Ça revient constamment tout ce que je dis. Dans Psaume 119, tu vas voir beaucoup de lois, commandements, préceptes, ordonnances. Voyez un peu. Le Psaume 119, David ne fait qu'une boucle avec tous ces mots. Au fait, ce sont tous les éléments qu'on trouve dans la parole de Dieu. Alors, quand tu dis la Bible, quand quelqu'un est en train de lire, il faut lui dire, ça là, c'est un commandement. Ça, ce n'est pas un commandement. Quand Paul a dit que je ne permets pas à la femme de faire certaines choses, si tu n'as pas été tu n'as pas étudié comme je t'ai expliqué, ton interprétation va changer. Ce n'est pas un commandement. Amen. La quatrième chose que je vais vous partager, c'est, pour terminer, c'est les témoignages. Les témoignages sont aussi dits dans le verset 2 de Psaume 119. Heureux ceux qui gardent ces témoignages. Ceux qui ont lu second, ils vont dire précepte, mais ce n'est pas précepte. Témoignage en hébreu, c'est état. C'est pour ça que je parle sur certaines choses qui se confondent. Amen. Mais je veux juste vous dire que la quatrième chose que je veux vous apporter comme éclairage dans la Bible, c'est les témoignages de Dieu. Dis avec moi les témoignages de Dieu. Les témoignages de Dieu. Qu'est-ce que c'est les témoignages de Dieu? C'est là que la Bible va devenir très intéressante. Les témoignages de Dieu, comme on dit témoigner, c'est quelque chose qui va relater ce qu'il est. Relater son caractère, sa nature ou sa manière de penser par rapport à quelque chose. Je vais donner un exemple. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme étant quoi? Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment bien des lecteurs de la Bible et qui ont étudié la Bible. Dieu s'est révélé à Abraham avec un nom qui ne s'est pas révélé avec ce nom-là à Moïse. Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu tout-puissant, le El Shaddai. Il dit, je suis le El Shaddai, marche devant ma face, sois intègre. Donc, je comprends que Dieu vient de révéler un de ses témoignages. Dieu, il est tout-puissant. Le témoignage, c'est ce que Dieu est ou Dieu est capable de faire. Les témoignages, ce sont ceux qui relatent la manière de fonctionner de Dieu. En fait, c'est ce qui prouve, qui donne des preuves sur ce que Dieu est. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas mieux ses témoignages.
Dieu est amour. C'est un témoignage de Dieu. Dieu dit qu'il bénit les pères, les fils jusqu'à la millième génération. Il vient de révéler un de ses témoignages. C'est ce que lui dit qu'il est. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc c'est-à-dire que Dieu est en train de te révéler ce que lui il est. Dieu, il dit qu'il est jaloux. Si tu passes sur un autre pour prier autre chose, tu mets autre chose dans ton cœur, Dieu va te faire la jalousie. Oui. C'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu et ils ne savent pas comment Dieu fonctionne. Par exemple, ce matin quand je lisais la Bible, quand Adam et Ève ont péché, quand j'observe, je peux apprendre d'un témoignage de Dieu comment Dieu fonctionne. Quand ils ont péché, au trois, Dieu a sanctionné. Après, il a changé la vie. Non, c'est-à-dire que même quand Dieu sanctionne, c'est-à-dire que quand Dieu apprend que tu as désobéi, Dieu sanctionne. Mais même quand il te sanctionne, il applique une dimension de restauration dans quelque chose que tu ne sais pas faire. Ça, ça m'enseigne une manière de Dieu de fonctionner. Quelqu'un me comprend? Et les témoignages souvent sont cachés dans la Bible. C'est la manière dont Dieu fonctionne. Mon Dieu, là, il fonctionne comment? Au fait, si tu médites plus sur les témoignages de Dieu, tu vas voir que ta foi va augmenter. Je donne l'image de la maman. Si tu sais que ta maman, la manière que tu peux savoir que tu as un avis, tu sais que même s'il voit l'argent de quelqu'un tomber par terre, tu sais qu'il ne va jamais prendre. Il va toujours donner à la personne. Tu as des connaissances comme ça. C'est parce que tu as un témoignage sur lui. Tu sais comment il fonctionne. Dieu, là, quand tu médites sur ces témoignages, au fait, je vais vous dire, enfin, cherchons à méditer sur les témoignages de Dieu. Ça nous rassure, tu peux te tenir debout, ça nous rassure de comment Dieu ne va pas changer. Amen. Dieu est un être qui a une manière de faire. Il a une manière, il a un témoignage, il y a ce qui définit sa nature. Ce qui, notre époux, là, il y a quelque chose qui définit sa nature. Définit son caractère. Dieu n'agit pas de la même manière que vous. Non, quand il a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur, c'est parce que David avait la même manière de Dieu de gérer les choses. Donc David, tu es comme moi. C'est pas que je t'aime plus que les autres. Quand je te vois là, tu es comme selon moi mon cœur. Si Dieu me trouve aussi devant Saül, voici la manière dont je me serais comporté. Tiens avec moi les témoignages de Dieu. Et la Bible regorge de beaucoup de témoignages. Et pour fortifier notre foi, tu dois méditer patiemment sur les témoignages. De sorte que quelqu'un t'en est pas là, tu dis, moi je sais comment Dieu fonctionne. Et puis tu lui fais sortir le verset. Quand il y a ça, là, voici comment Dieu réagit. Quand il y a ça, 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 on sait comment Dieu va réagir. Parce que tu ne parles pas d'un Dieu que tu n'as pas. Tu as juste prié. Un Dieu que tu as rencontré dans l'intimité. Je sais que vous me comprenez. Non, quelqu'un entend dire non. Même si tu fais, Dieu va avoir miséricorde. Moi, quand je lis Adam et Ève, je suis en train d'apprendre. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose que tu fais, Dieu te donne quelque chose qui va te donner à l'heure. C'est-à-dire que il va te faire quelque chose qui va être un enseignement pour toi, peut-être même à vie. Il va être toujours avec toi. Il va te mettre quelque chose. C'est Dieu qui a pris à la femme, il a parlé, il a pris à temps, il a parlé. Non, c'est-à-dire que je vois une manière de Dieu de fonctionner. Je vois encore que même quand nous nous éloignons, Dieu vient demander, tu es où Adam? Donc Dieu a une volonté de nous chercher. J'apprends que Dieu, il cherche l'homme. Je viens de découvrir ça. Que Dieu, il ne reste pas dans son coin. Non, quand tu vois quelqu'un qui aime rester dans son coin, tu dis, Dieu n'est pas comme ça. C'est l'homme qui pêche, qui se cache. Mais Dieu qui est vrai, il apparaît. Donc quand tu vas voir un frère, une soeur, tu vas dire, quel témoignage as-tu de Dieu? Le Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que nous prions n'est pas comme ça. Quand Adam et Ève a péché, est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a critiqué? Il est venu même demander. Donc ça enseigne. Il est venu demander, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Dieu est en train de dire, quand même tu sais, tu dois venir. Et quand tu veux, tu connais comment il fonctionne, tu dois venir, tu dois demander. Posez ouvertement la personne à la question. À la personne, qu'est-ce qui s'est passé? La personne doit te dire avant que tu te prononces. Donc si quelqu'un juge avant que quelqu'un n'ait parlé, il n'est pas en train de fonctionner comme Dieu. Je vous comprends. Amen. Là, j'ai pris seulement Dieu seulement avec Adam. Tu peux prendre Dieu avec Abraham, Dieu avec Moïse,
Je t'assure, ta vie va changer parce que tu vas apprendre des choses sur Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame-toi.